t'as d'autre. À l'étranger d'abord, et quand ça n'a plus suffi, ils ont commencé à se dévorer entre eux comme des bêtes. Ce que je n'ai jamais compris, c'est que leur ventre était déjà plein. On ne voyait pas leurs côtes, leur visage était joufflu. Rouge au même chez certains, comme s'ils buvaient trop de vin. Rouge ou blanc, peu importe la couleur, l'effet reste le même. Je proclame que cette situation a assez duré. Ils ne veulent pas l'entendre et préféreront me lâcher. Des bas de laine. Tu es l'étoile qui danse dans la nuit. Tu es l'étoile qui danse dans la nuit. Tu es l'étoile qui danse dans la nuit. Nous avons tout pour nous, y compris un semblant de paix. Mais la quête du bonheur n'est pas identifiée. Elles l'ont bien compris et se mettent à louvoyer entre ciel et terre, contre vents et marées. Elles ont tout pour plaire. Tu es l'étoile qui danse dans la nuit. Tu es l'étoile qui danse dans la nuit. Tu es l'étoile qui danse. The train is screaming high into my ears. I'm clean and can hardly bear the pressure. My mind is wandering far away, deep inside open sea. She's calling me, she's calling me, she's calling me. And I am waiting at the corner of my mind, waiting to make a simple choice.
many as they can. And she's calling me. S'est barré avec le fichier complet des clients. Je ne souhaite même plus le poursuivre depuis que j'écris des poèmes. Le carnet de commandes flirte avec la menace des couverts bancaires. Et le RSI m'envoie toujours des injonctions de régularisation d'office. C'était pourtant bien parti. Les clients m'adoraient. Ils ont même voulu que je passe à la télé. C'est dire si mon entreprise apportait un plus à la collectivité. Encore un effort et j'aurais pu entrer au Panthéon, juste à côté d'autres êtres illustres. Mais voilà, la vie n'est pas une longue, longue ligne droite. En particulier quand ceux qui font marcher le monde préfèrent en jouer. Et font plonger sans vergogne des millions dans la précarité, des millions, vous m'entendez, en faisant des parties d'échecs dans leur jet très très privé. Depuis que j'ai commencé à passer du temps au musée, je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. Depuis que j'ai commencé à passer du temps au musée, je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. Mais voilà, un jour à 8h, ils ont débarqué. Ils ont pris quelques-uns de mes meubles et ont déclaré: si sous 3 mois, vous ne regagnez pas en productivité, le contrat sera résilié et votre compte banni. Alors, j'ai convoqué l'ensemble du personnel et leur ai annoncé la nouvelle. Attention les gars, il faudrait voir un peu à se mobiliser. Il faudrait voir un peu à se motiver. Il faudrait voir à se sentir un peu plus
concerné, ouais. Puis je suis retourné passer du temps au musée. Je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. Puis je suis retourné passer du temps au musée. Je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. Puis pour les masques africains, tibétains, de passer du temps au musée, je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. Depuis que j'ai commencé à passer du temps au musée, je me suis passionné pour l'art de l'Océanie. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. Des grandes crains, mais j'essaie pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. Dans les bottes des montagnes, question où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre a cherché à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. J'ai fait prier, j'ai des gants de crin, geyser. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau.
travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Parce que pour le coup, il me renvoie à Bachou, parce qu'on peut faire plein de lectures sur l'imaginaire. Souvenez-vous, Madame Rêve ou encore Ma Petite Entreprise. Voilà, sur l'imaginaire ou encore Bachou aimait bien aussi quand il était avec Berman les blagues grivoises. Et on peut se demander si ça n'a pas un rapport avec, pour le coup, avec l'érection, quel monde tous. On peut se poser, dire plein de choses là-dessus. Tu pars sur une île déserte, Laurent. Sur cette île déserte, tu apportes un disque, un livre et un film. Lesquels? Ah, il faut que je trouve un nouveau disque alors. Alors je vais commencer par le livre. Ça serait un livre de Kenny Warner qui s'appelle Mastery en fait. Donc c'est un livre sur la méditation essentiellement et sur le lien qui existe entre la méditation et la création musicale.
Le film, je reste sur mon film que j'avais dit l'année dernière, qui est Midnight Train avec Robert De Niro et Charles Grodin, qui est l'histoire d'un road trip au travers des États-Unis avec un emmerdeur. Et quant au disque, je crois que pour l'occasion, je vais changer de personnage et je vais prendre un David Bowie. David Bowie, ça va être le disque Ethan.